on va préparer de l'agneau aux tomates, c'est salé sucré. Alors, on va commencer d'abord par la viande. On va mettre un peu d'huile d'olive. On va mettre du sel. On va mettre le safran et le poivre. Et je vais mettre du jojon frais. Mettre de l'ail en poudre. Je vais mélanger tout ça. On l'a bien mélangé. Maintenant, on va mettre dans la cocotte. Alors maintenant, dans la cocotte, on va mettre de l'oignon. On va rajouter de la viande, l'agneau qu'on a mélangé. Alors, on va rajouter un peu d'huile d'olive, pas beaucoup, comme l'agneau, il y a beaucoup de gras. Je mets un sucre et un bâtonnet de cannelle. Et je vais mettre de l'eau. Pas trop, hop, ça suffit. Et maintenant, je vais le fermer et je vais le mettre au four. Alors, on va continuer, on va préparer le tomate qui sera un peu sucré, ce qu'on va manger avec la viande qu'on a mis déjà au four. Alors, on va mettre l'huile d'olive. Je vais mettre mes tomates. Je vais mettre de cannelle. Un petit peu de sel, pas beaucoup. Je vais mettre de sucre. Et je vais mettre une cuillère, un peu de miel. Alors, on vient tout bien mélanger. On va le laisser cuire. Alors, le tomate est en train de devenir comme le caramel. Il faut la bien mélanger et l'attendre pour qu'il ne colle pas, parce qu'il devient sec. Alors, maintenant, je vais rajouter un peu de fleur d'oranger. Un petit peu. Il faut continuer à tourner, tourner jusqu'à ce qu'il devienne sec. Alors, le tomate, il est prêt. Ben maintenant, on va regarder la viande. On va voir si elle est prête. Elle est prête. Vient de sortir dans le four. Attends, on va essayer de l'ouvrir parce que c'est chaud. Hop, le voilà. Elle est bien cuite. La viande, elle devient dorée. Mais si c'est fermé, elle devient dorée. Maintenant, on va le mettre dans le plat. Alors, le plat, il est prêt. Alors, nous, on a mis sur la viande le tomate qu'on a préparé. On a mis en décoration les amandes. Ben, bon appétit et à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.